Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme un petit peu ma tortue qui est dans la volière depuis plusieurs jours. Et en fait, de temps en temps, elle se plante. Donc il y a des fois, on est un jour ou deux sans la voir. Mais j'ai remarqué, j'ai un gros bac à compost dans la volière. Et il y a 2 jours, elle essaye d'aller se planquer dedans. Donc est-ce qu'elle irait peut-être faire son trou pour elle hiberner par la suite. Donc voilà, je ne sais pas si je peux la laisser l'hiver à l'extérieur, si elle va aller là-dedans et si elle sera quand même protégée du gel. Donc je ne sais pas si je vais devoir la rentrer ou la laisser dans la volière à l'extérieur. J'aimerais bien la laisser hein, comme ça, elle est vraiment comme à l'état naturel, quoi. Mais bon, toujours peur de la perdre, c'est pour ça. L'année prochaine, j'espère pouvoir en racheter une deuxième et peut-être une troisième, comme ça ils seront un petit groupe. Tout cas, ici elle se porte bien. Pourtant, on a eu des nuits un peu plus fraîches et tout. Mais voilà, elle va se mettre dans le bac à compost. Je vais vous montrer, je vais vite faire pause et je vais vous montrer où elle se met. Voilà, donc là j'ai le bac à compost. Et j'ai retiré donc la petite trappe là et elle va se mettre en fait là-bas. Elle rentre dedans, elle y va puis elle ressort. Donc voilà, je sais pas si je peux la laisser hiverner dehors et en espérant qu'elle aille bien se planquer là et qu'elle résiste au froid quoi. Elle est magnifique. Ah ça, les trèfles, ça elle aime bien. Les trèfles, les pissenlits, et dans la volière, il y en a. Enfin, les pissenlits, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-uns. Mais bon, quand ils fleurissent, je les laisse, comme ça fait des semences, et après, ben, il y en aura un peu plus. Voilà, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.
Mmh.